En raison de l'épidémie de Covid-19, l'Académie de Versailles estime que le taux d'absentéisme des enseignants et personnels administratifs est monté à 10%, voire à 15%, et souvent, les professeurs ne pouvant plus se rendre en classe sont rarement remplacés. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est au niveau des professeurs. Quand ils sont pas là, bah, ils ont du mal à être remplacés, donc on doit garder nos enfants un peu à la dernière minute, donc ça c'est assez difficile à gérer. Et après, c'est pareil au niveau de la cantine, des fois il n'y a pas assez de personnel, donc on nous demande de les garder, donc il faut qu'on s'arrange, donc tout ça c'est un peu compliqué. On est confrontés tous à la réalité du manque de personnel. Le ministre peut toujours parler de remplaçants, mais les remplaçants on ne les voit pas. On ne les voyait pas déjà avant, et avec le Covid c'est encore pire. Depuis le début de l'année scolaire, l'Académie de Versailles a déjà recruté 3300 personnes. Mais pour pallier le manque d'effectifs dû à la crise sanitaire, elle a lancé, depuis début janvier, une vaste opération de recrutement. Depuis la reprise de janvier, nous avons passé un cran supplémentaire pour aller chercher d'autres personnes, notamment des étudiants qui seraient qualifiés. Il faut une licence pour enseigner, mais également des personnes retraitées et puis d'autres contractuels qui ont les qualifications. Depuis deux semaines, nous avons recruté un petit peu plus de 200 nouvelles personnes. Et au total, il nous en faudrait encore 300 pour compléter nos forces. Outre les enseignants, le personnel administratif et les surveillants sont également en tension. Il y a un autre besoin qui est grand pour nous, c'est ce qu'on appelle les assistants d'éducation. Ce sont les surveillants dans les collèges et dans les lycées. L'année dernière, nous avions mis en place des équipes mobiles de surveillants qui pouvaient se déplacer au gré des besoins des collèges et des lycées d'un établissement à un autre. Nous avons plus d'une centaine de postes à pourvoir en ce sens. Certains territoires des Yvelines sont plus touchés. La rectrice de l'Académie de Versailles évoque notamment les villes de Chanteloup-les-Vignes, Aubergenville ou encore Bennes.